Au moment où une pandémie déclenchée par un nouveau virus frappe l'humanité au XXIe siècle, il est nécessaire de bien comprendre ce que sont les virus, savoir comment ils sont constitués, comment ils se reproduisent, comment ils nous infectent, comment ils causent des maladies et comment on peut s'en prémunir. Armor Science a choisi pour cela de vous présenter, actualisée par quelques compléments d'information, l'exposition itinérante « Des virus et des hommes », réalisée en 1991 par l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et le Palais de la Découverte. Un des actuels administrateurs d'Armor Science, Thierry Offred van der Kemp, qui fut à l'époque chef du département des sciences de la vie de cet établissement culturel scientifique de l'enseignement supérieur et coordonnateur rédactionnel et pédagogique de cette exposition, vous en propose un commentaire actualisé. Si virus en latin signifie poison, les particules infectieuses que l'on appelle virus sont effectivement de bien étranges poisons naturels. Les virus, assemblage complexe de biomolécules ayant une taille allant de quelques dizaines à quelques centaines de millionièmes de millimètres, sont si minuscules que seul le microscope électronique permet de les distinguer. Les virus ne sont pas à proprement parler vivants. Ils sont inanimés et ne se reproduisent pas par eux-mêmes. Ils sont répliqués par des cellules vivantes des bactéries, des végétaux ou des animaux qu'ils ont infectés. Les cellules parasitées, envahies des virus qu'elles ont elles-mêmes répliqués, finissent par se détruire et libérer les nouveaux virus qui contaminent à leur tour les nouvelles cellules. Au fur et à mesure que l'infection se propage dans l'organisme, les symptômes d'une maladie apparaissent. Par exemple, la désagrégation des bactéries de la flore bactérienne intestinale causée par les virus bactériophages. Les marbrures sur la peau des fruits des arbres contaminés par le virus de la charcutie, les troubles nerveux agressifs causés par le virus de la rage chez les mammifères, dont l'homme. Il existe plus d'un million de sortes de virus dans le monde, dont une cinquantaine connues pour infecter l'espèce humaine. Les virus sont constitués d'un assemblage structuré de différentes macromolécules organiques. Au centre, un acide nucléique porte l'information chimiquement codée, autrement dit le génome, nécessaire à sa réplication. Selon les virus, cet acide nucléique peut être soit un ARN simple brin, dans le cas des rétrovirus, soit un ADN double brin, dans le cas des adénovirus. Autour du génome viral, des protéines enzymes sont présentes pour activer dans la cellule infectée les processus chimiques nécessaires à la production de nouveaux virus. Cet assemblage central est entouré d'autres protéines, constituant une coque protectrice ou nucléocapside à structure icosaédrique, comme pour les virus bactériophages, ou à structure cylindrique hélicoïdale, comme pour le virus de la rhizomanie de la betterave. Enfin, la nucléocapside peut être elle-même entourée d'une enveloppe chez certains virus. On prendra trois exemples. D'abord, le VIH, agent du sida, c'est-à-dire du syndrome d'immunodéficience acquise. Ensuite, les papillomavirus, responsables des verrues ou de cancers du col de l'utérus. Et pour finir, les coronavirus, tels le Covid-19, responsables de SRAS, c'est-à-dire de syndrome respiratoire aigu sévère. Cette enveloppe est hérissée de spicules servant au virus à se fixer sélectivement sur les cellules cibles qui l'infectent. Elle est constituée à la fois de lipides, de protéines et de sucres. Les virus ne respirent pas et ne se nourrissent pas. Dépourvus de système producteur d'énergie, ils ne peuvent donc se développer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. Ils en parasitent le programme génétique et le système de production des protéines, détournés au profit de la réplication, de l'assemblage des molécules qui les constituent, puis de leur libération par destruction de la cellule infectée. Par des molécules particulières qui hérissent leur enveloppe ou leur capside, les virus se fixent sur des molécules réceptrices complémentaires
dressées à la surface de la membrane des cellules cibles de l'organisme contaminé. Cette fixation, comparable à une clé dans une serrure, déclenche la libération d'enzymes de la membrane de la cellule infectée qui se creuse autour du virus tout en détruisant l'enveloppe virale. Le virus pénètre alors dans le cytoplasme de la cellule, la nucléocapside se dissout et libère dans le noyau cellulaire l'acide nucléique viral qui est répliqué en multiples exemplaires. Les constituants de la nucléocapside sont produits à leur tour en multiples exemplaires et assemblés dans le cytoplasme. L'enveloppe virale se reconstitue au contact de la membrane de la cellule infectée. Les virus sont ensuite libérés par bourgeonnement ou éclatement de la membrane cellulaire. Selon qu'il s'agit d'adénovirus dont le génome est constitué d'ADN, c'est-à-dire une longue molécule d'acide désoxyribonucléique, ou de rétrovirus dont le génome est constitué d'ARN, c'est-à-dire une longue molécule d'acide ribonucléique, la stratégie d'intégration et de réplication de leur génome parasite est différente. Chez les adénovirus, leur génome, constitué d'ADN, comme le génome de la cellule infectée, est directement intégré à celui-ci. Par contre, les rétrovirus doivent d'abord synthétiser une molécule d'ADN, une copie fidèle de la molécule d'ARN du génome viral, qui pourra ensuite être intégrée dans le génome de la cellule infectée. Cette synthèse est possible grâce à une enzyme particulière appelée transcriptase inverse, qui est codée par le rétrovirus et qui va utiliser la molécule d'ARN comme matrice pour en copier une molécule d'ADN. Donc, selon qu'il s'agit d'adénovirus, tel celui de l'herpès, ou de rétrovirus, tel le virus du sida ou le coronavirus du Covid-19, des stratégies différentes sont prises en compte pour mettre au point des médicaments antiviraux qui empêcheront la réplication du génome viral au sein des cellules infectées.